Kumna Mesci, Shalom Aleichem, Boukab, Salam Aleikum. Bonjour messieurs, dames, Salam Aleikum. Je fais cette vidéo, cette fois j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. C'était pour parler des mesures que j'avais détectées entre plusieurs attentats ou assassinats et que, à mon avis, il est derrière les vrais auteurs de ces attaques, et ben, se trouvent d'autres coupables qui manipulent tout le monde. Et voilà, parce que je voulais vous dire que voilà, je voulais dire contre la mort de Monsieur Michael Jackson à la Yarmouk, et qui a eu lieu le 25 juin 2009, bah, c'est-à-dire 3463 jours après l'an 2000, 3463 jours, 3464 jours après l'an 2000, 3464 jours après l'an 2000, et bah déjà. Avant sa mort, il y a eu un clip qui s'appelle Just Lose It. C'est un clip où il se moque un peu de Michael Jackson dedans. Et ce clip, il est sorti 1732 jours après l'an 2000. 1732 jours après l'an 2000. Ça veut dire si tu fais 1732 fois 2, ça fait 3464. C'est-à-dire le jour de la mort de Michael Jackson. Voilà, l'arrière-plan Michael Jackson. Et donc après 1000 jours après la mort de Michael Jackson, j'ai compté, on tombe sur le 22 mars 2012, et le 22 mars 2012, c'est la mort de Mohamed Merah. Mais ça fait 1000, non, 1000 jours précisément, c'est le 21 mars 2012, c'est-à-dire, mais Mohamed Merah, il est mort le 22 mars 2012, parce qu'ils ont fait un siège de 36 heures chez lui. Ça veut dire en vérité le jour où il devait l'arrêter, c'était 1000 jours après la mort de Michael Jackson. À la Yarmouk. À la Yarmouk, qui était victime de Mohamed Merah. Et après, si tu comptes 1000 jours après la mort de Mohamed Merah, tu tombes cette fois sur la prise d'otage de Sydney le 15 décembre 2014. D'accord? C'est 1000 jours après la mort de Mohamed Merah. Et j'ai repéré un autre 1000 jours, c'est entre la faillite de la société, de l'entreprise Lehman Brothers, la banque Lehman Brothers, elle a fait faillite le 15 septembre 2008. Et 1000 jours après, et ben c'est l'affaire du DSK Sofitel le 11 juin 2011, DSK Sofitel de New York. Bah, c'est 1000 jours après la faillite de Lehman Brothers le 15 septembre 2008. Et le DSK Sofitel de New York, l'affaire de DSK Sofitel de New York, c'est le 11 juin 2011. Et c'est 1000 jours précisément après Lehman Brothers. Et j'ai détecté un autre 1000, cette fois c'est entre la libération des infirmières bulgares qui a eu lieu le 24 juillet 2007. Le 24 juillet 2007, c'est la libération des affaires bulgares par Nicolas Sarkozy. Et 1000 jours plus tard, on tombe sur l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon. C'est l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon, c'était le 20 avril 2010. Et après, 1000 jours plus tard, après l'explosion de Deepwater Horizon, eh ben, c'est la prise d'otage d'Ina Mena le 16 janvier 2013. Le 16 janvier 2013. Voilà, bah je voulais vous dire que derrière les vrais auteurs de ces crimes, bah, il y a d'autres gens qui manipulent les gens, qui sont en fait autant responsables que les propres auteurs de toutes ces actions. Voilà, pour en partie, parce que des fois c'est les militaires qui manipulent tout le monde, qui commettent les attentats aussi. Ben voilà. Ben, je voulais vous dire, j'espère que la justice va suivre son cours. Moi, je suis toujours prisonnier des groupuscules étatiques et non étatiques. C'est les mêmes qui organisent tout. De toute façon, tous les attentats et tout ça. Et voilà, bon courage à tout le monde. C'est Salam Aleikoum, que la paix de Dieu soit sur vous, de l'Éternel le Tout-Puissant, et Salam Aleikoum.